Après une tournée mondiale de folie qui a déjoué toutes les frontières puisqu'on a même joué en Vendée. Après notre dernier album bien accueilli qui s'est vendu à des centaines et des centaines et des centaines d'unités. Après avoir vu des milliers de fanatiques de la nouvelle scène française qui n'avaient jamais entendu parler de nous. Après avoir croisé le gratin de la musique comme l'adjoint à la culture de la ville de Roquebourgoin-sur-Chavroux, nous sommes de retour comme le Jedi, comme le grand blond, comme Gérard Lambert. Nous sommes de retour comme Mathilde, les morts vivants et Martin Guerre. Nous sommes de retour et en plus on est content. Après avoir reçu des milliers de courriels de nos fans qui veulent absolument nous vendre du Viagra et du Cialis. Après avoir dormi dans les plus grands hôtels, 300 Formule 1, 200 Mr. Bed, 30 première classe et un Ibis. Après notre passage à Bercy, pour aller de Montparnasse à Nation, on est bien obligé de passer par là. Après avoir testé toutes sortes de produits, finalement le paracétamol, c'est ce qu'il y a de mieux contre la gueule de bois. Nous sommes de retour comme le Jedi, comme le grand blond, comme Gérard Lambert. Nous sommes de retour comme Mathilde, les morts vivants et Martin Guerre. Nous sommes de retour et en plus on est content. Passer des mois dans un studio. Au bout d'un moment, on a eu les moyens d'habiter dans un F2. Après avoir fait des dizaines de radios, de nos pouces qu'on s'est foulés à force de jouer sur nos consoles de jeux. Après avoir goûté les mecs astronomiques, les plus raffinés des plus grandes stations-service du réseau autoroutier. Après avoir voulu arrêter la musique, mais quand on a su que t'allais écouter notre disque, on s'est dit qu'on allait continuer. Nous sommes de retour comme la momie, comme le grand blond, comme Christophe Lambert. Nous sommes de retour comme Mathilde, Alain Juppé et Martin Guerre. On est content. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Et en plus on est content.